Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information du soir sur Gabon News, votre média numérique. Tout de suite, en Nzengmian, un des quartiers de la capitale gabonaise où les habitants sont en proie à de nombreuses difficultés. Ces derniers semblent ne plus croire en rien. Ils sont confrontés à des problèmes inhérents à leur milieu de vie. Leur quotidien est très peu désirable. Sur les lieux, Georges Mexan Tontoum et Refuge Tsuga. Cette route non bitumée qui traverse l'hôpital de Mélène conduit à Nzamian. C'est le nom d'un quartier où tout semble manquer. Problème de route, problème d'eau potable, problème d'électricité, insécurité, pauvreté, habitation précaire, etc. Située dans la capitale gabonaise, cette zone de haute précarité suffoque dans les difficultés générées par ses besoins. C'est les choses qu'on est obligé de vivre. On n'a pas pensé à nous, on fait quelques kilomètres chaque matin. Ça nous fait garder la forme, mais sinon dans le fond, je crois bien qu'il y a une route qui doit être là, mais on n'a pas encore pensé à ça. C'est ça le problème, on est obligé de faire avec. Espérons que ça va nous rallonger la vie en faisant le sport chaque matin. Et même les gens qui ont les voitures ont du mal à faire, à rentrer là avec leur voiture. Donc ils gardent ça même là, ils marchent forcément. On est carrément obligé de marcher à un moment donné. C'est obligatoire. Tant bien que mal, les habitants tentent parfois de régler eux-mêmes les difficultés du quartier. Il y a des gens qui ont fait des démarches. Il y a des gens, il y a eu des espèces de cotisations. Si même encore vous voyez ce que vous voyez là, ce sont les gens du quartier qui ont fait ça, le ressemblant de route. Sauf que ce qui doit suivre après, ça n'a jamais suivi. C'est le même problème. La route amène nos problèmes de courant. Le courant aussi, c'est la même chose. Si vous marchez là, vous allez voir des kilomètres de câbles rafistolés. C'est dû au fait qu'il n'y a pas la route. Les poteaux électriques n'arrivent pas jusqu'au fond. Et ça, c'est notre pont. Le pont qui nous crée tous des misères dans le quartier. C'est les véhicules ne peuvent pas rentrer comme ils veulent à cause de ce pont. Il est cassé. On a peur de passer. Voici le trou qui est là-bas. Nous avons essayé de poser ces bus-là pour essayer de passer comme tout le monde essaie de vivre. Parce que s'il n'y a pas de route, on ne peut pas vivre dans un quartier où il n'y a pas de route. Donc les échanges ne se font pas. Ici, l'espoir de meilleures conditions de vie semble bien lointain. À Libreville, les habitants de plusieurs autres quartiers vivent les mêmes problèmes que ceux de Nzamian. Dans le reste de l'actualité, on parle des droits de l'homme. Le Gabon contre la torture, c'est l'intérêt du séminaire qui s'est ouvert dans la capitale gabonaise. Un séminaire axé sur la mise en place des mécanismes nationaux de prévention efficaces contre la torture humaine. Kenny Ogouri nous en dit plus. L'Association pour la protection contre la torture, en collaboration avec la Direction des droits de l'homme et le ministère des droits humains, a lancé le séminaire national sur la mise en place d'un mécanisme national de prévention efficace contre la torture au Gabon. Nous sommes donc convaincus que ce séminaire sera l'occasion d'échanges humains fructueux qui soutiendront notre démarche commune. Soyez assurés et rassurés que l'ensemble des participants conviés à ce séminaire conjugueront leurs efforts. Une opportunité pour la Direction générale des droits de l'homme de réaffirmer son engagement en la matière et de doter le Gabon d'un outil sur la prévention de la torture. Ce séminaire vient répondre aussi aux recommandations qui ont été adressées au Gabon par les organes onusiens des droits de l'homme, dont le sous-comité pour la prévention de la torture qui a visité le Gabon l'année dernière, 2014. Le ministre des droits humains a quant à lui réaffirmé la volonté du gouvernement gabonais et du chef de l'État dans l'établissement des mécanismes nationaux efficaces pour la prévention de la torture au Gabon. Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2002, le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture, OPCAT, est entré en vigueur le 22 juin 2006 et a été ratifié par le Gabon le 22 septembre 2010. D'où la volonté des autorités gabonaises, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, de mettre en œuvre rapidement l'établissement d'un mécanisme national efficace de prévention de la torture au Gabon. Ce séminaire vise à réduire la torture en terre gabonaise à travers un mécanisme national pour que règne la justice. Toujours en quête de la meilleure solution en matière de sécurisation des systèmes d'information, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a signé ce mardi 23 juin 2015 avec l'éditeur Kaspersky, numéro 1 de la sécurité informatique, un protocole d'accord de partenariat, un protocole qui prend en compte la mise en œuvre au Gabon d'un centre de compétences Kaspersky. C'est un reportage signé Justin Bitégué.
afin de sécuriser et rendre plus fiables les infrastructures numériques et de garantir de l'intégrité des données qui y transitent. Un protocole d'accord a été signé entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences et Kaspersky, numéro 1 de la sécurité informatique représenté par son vice-président. Aujourd'hui, l'ANEF qui s'inscrit dans cette volonté du président de la République traduite par son programme politique Gabon des services, nous fait augurer que nous nous sommes adressés aux bonnes personnes et à la bonne société. Après la signature du protocole, la délégation s'est dirigée sur le ministre de l'Enseignement supérieur. Une occasion pour le vice-président de Kaspersky de présenter l'opportunité d'ouvrir des formations pour les ingénieurs dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication. Vous conviendrez avec nous que le développement ne peut pas se faire sans développer l'infrastructure. Et qui dit infrastructure, dit la construction des usines, dit la construction de tout ce qui est sécurisation de tout ce que nous allons mettre en place, la formation naturellement. Et pour cela, nous avons été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est pour justement honorer de tous ces engagements-là. Le tour est revenu à l'administrateur général de la zone économique d'Ankok de présenter la zone et le site devant abriter le groupe Kaspersky. Ce qui vient de voir naturellement impressionne à plus d'un titre. Et il est assez convaincu des efforts fournis par le président chef de l'État et son gouvernement pour le développement de l'industrie au Gabon, notamment dans le domaine de la sécurisation du numérique. Ce protocole prend en compte la mise en œuvre au Gabon d'un centre de compétences de Kaspersky. Culture pour la fin de cette édition. En prélude à la finale du concours littéraire qui aura lieu le samedi prochain, le comité d'organisation des éditions Amaya a organisé un dîner de presse hier à son siège, Ciseaux quartier Charbonnage. Il était question pour la direction générale de présenter les éditions Amaya et leurs objectifs. Marina Mendeman, Refuitoga pour le point. Il était question pour la directrice générale des éditions Amaya de présenter au cours d'un dîner de presse les objectifs de la maison. D'apporter sa modeste contribution à l'essor et au rayonnement du continent dans le contexte de la mondialisation et de l'échange interculturel. Parce que, moi, je ne sais pas vous, mais nous on est un peu fatigués de l'afro-pessimisme, de l'afro-mendicité. Donc on veut donner une autre image du continent, c'est pour ça qu'on a choisi comme slogan un autre regard sur l'Afrique et le monde pour montrer qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses de bien qui se font, il y a des gens qui sont là, qui se battent, donc ils veulent montrer une autre image du continent. Les éditions Amaya, dont le nom tire son origine dans la mythologie Teke, une langue du sud du Gabon, est une invite lancée à ceux qui aiment la culture. C'est pour ça que l'autre activité que nous allons démarrer sous peu, dans le projet Academia, c'est un projet qui va réunir en fait autour d'ateliers d'écriture et des ateliers de lecture. Donc il y aura des soutiens scolaires, de préparation aux examens. Et ils auront aussi des ateliers scientifiques et pas mal de choses qui leur seront proposées. Pas seulement aux jeunes, mais aux moins jeunes et à tous ceux qui veulent apprendre, parce qu'on apprend à tout âge. Donc je sais que bon, pour cette année, ce n'est pas encore fait, mais je sais qu'en France, régulièrement, on cite aussi le plus vieux bachelier. Je pense que l'an dernier, elle devait avoir dans les 90 ans, si je me souviens bien. Pour Solange Adangi Bongo Ayuma, les éditions Amaya ont pour objectif d'apporter leur modeste contribution à la littérature gabonaise, dont la promotion de cette dernière reste un cheval de bataille pour elle. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardée. L'info continue sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous. Au revoir.